T'as encore bu? Je bois plus, tu le sais. OK, puis l'odeur d'alcool, c'est quoi? Ça pisse d'oiseau, ça sent l'ammoniaque, je suis pas capable de nettoyer la cage. Ben, baisse-la, la crise de cage! Je suis pas capable! La prochaine fois que ton livreur de bière vient, m'en dis donc de faire ça pour toi. Ben, je bois plus! Chris, tu savais que je m'en venais, t'en as juste pris trois? C'était pour toi, là, je pensais que t'allais peut-être rester à souper. Ah ouais, excuse-moi, ça. Chris, je m'excuse d'avoir su que c'était pour moi. Je me disais qu'elle devait aller avec l'autre caisse à côté de ton lit, là. Parce que t'as pas d'affaires fouillées dans ma chambre. Tabarnak! Quand je cherche dans mon verre plein, je me retrouve dans mon verre vide. Puis là, je deviens toute sec, puis beaucoup trop lucide. Je redeviens à jeun. Je commence à dire n'importe quoi, puis tout au fond de moi, ça croît. Oui, j'ai plus peur de moi. Ça fait que débarque au bord pis prépare mon salut tes pieds. Oh moi shoot shooter de Jäger que je façonne à ma mère. De toute façon, je me sens bien parce que je sais que demain c'est tout oublié. Et je pourrais t'oublier. Pour moi que tu t'es mis sur ton 31. Et tu souffres avec quoi? Faut que je travaille, tu le sais. Je suis payé quand même. OK. Tu veux que je te prépare quoi? Rien. Je vais aller au restaurant. Je vais te présenter ma fille. C'est moi qui ai fait le souper, hein? OK. Ouais. Avec plaisir. Yes! Tu peux-tu m'aider? Ça fait que débarque au bord pis prépare mon salut tes pieds. Oh ouais, shoot shooter de Jäger que je façonne à ma mère. De toute façon, je me sens bien parce que je sais que demain c'est tout oublié. Puis je pourrais t'oublier. C'est tout.